Bienvenue sur Monde des films. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film basé sur une histoire réelle du plus jeune guerrier de la Seconde Guerre mondiale appelé Soldier Boy. Le film commence en Russie, où une famille de trois personnes est assise au bord de la rivière, profitant de son temps. La plus jeune d'entre eux, Sergei Alyoshkov, se vante auprès de son frère aîné de sa mère qui se trouve au sommet d'un arbre. Quand tout à coup, des avions de chasse allemands volent au-dessus de sa tête. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur et frappe le jet avec une frange. À la surprise générale, il parvient à toucher les jets et à les faire exploser. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, sa famille a disparu. Sergei se réveille effrayé par le rêve et appelle sa mère. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à sa porte. En supposant que c'est sa mère, il court vers elle, mais une voisine arrive en panique. Elle remercie Dieu de l'avoir maintenue en vie. Elle informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut rester à la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'ils devraient s'enfuir. Juste à ce moment-là, les soldats s'approchent de leur maison. La femme fait sortir le petit par la fenêtre, mais elle est abattue avant qu'elle ne puisse le rejoindre. Sergei de 6 ans est maintenant seul, sans famille ni amis. Alors que Sergei s'enfuit de la maison, il voit tout son quartier brûler derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit de là. Après avoir couru pendant un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit enfant commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la jungle. Le lendemain matin, nous le voyons boire de l'eau d'une rivière lorsque les soldats ennemis s'approchent de lui. Sergei, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est surpris lorsqu'un serpent s'approche, mais ne dit pas un mot et ne s'enfuit pas. Sergei a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont. Après quoi, Sergei prend le reste de nourriture et les dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas pris un bon repas depuis 2 jours et marche sans but. Il tombe alors qu'il boite et n'arrête pas de marcher. En cours de route, il aperçoit des baies sauvages et les dévore. Mais à ce moment-là, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon a des vertiges, commence à halluciner quelqu'un qui vient derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il reste courageux et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il boitille mais tombe inconscient au bout d'un moment. Pendant qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. La scène passe à la base de l'armée russe où le commandant Kuznetsov attend ses soldats de patrouille. Ils arrivent avec le petit enfant qui est blessé et faible. Lorsque les soldats prétendent qu'ils sont de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rigolent lorsque l'enfant serre la main du commandant, suggérant qu'il se présente également. Les soldats se sentent affectueux avec le petit enfant et l'encerclent. Ils lui font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant, par ailleurs froid, prend soin de l'enfant. Une infirmière nommée Katia pense les blessures de Sergei et est également charmée par sa personnalité. L'enfant lui demande de dessiner un tank sur ses blessures, car il veut être soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés parlent à l'enfant et se sentent plus légers. Sergei est fasciné par l'arme du commandant et son lot. Ce dernier répond également à toutes les questions du petit garçon et le laisse jouer avec son pistolet honoraire après avoir retiré les balles. Sergei lui montre le char dessiné sur son ventre et se vante lui-même d'être un soldat. Le garçon guérit très rapidement. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon. Mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce ne sera pas sûr. Il veut envoyer Sergei dans un orphelinat. Les soldats ont passé tout leur temps libre avec Sergei. Il est visité par de nombreuses personnes tout au long de la journée. Ils lui apportent la nourriture envoyée de loin par leur famille et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat se rend chez le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats ont développé un lien étroit avec l'enfant et le considèrent comme le leur. Sa présence enlève le poids de la guerre de leur poitrine. Cependant, le commandant est catégorique sur l'envoi du garçon à l'orphelinat pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent, de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergei pour l'emmener à l'orphelinat. Alors le commandant annonce la nouvelle à l'enfant et lui offre un pistolet honorifique en bois en guise de cadeau. Le garçon le prend à son tour dans ses bras, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Ce dernier fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergei de rester avec les soldats autant que son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le petit garçon. Ils sont ravis que Sergei reste avec eux. Le commandant réveille Sergei et lui donne des vêtements. Il les porte et court partout, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler le petit soldat. Alors que l'enfant court, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergei dans un endroit sûr et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergei veut se rendre utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille, car il a un bandeau sur les yeux. Le petit garçon veut aider mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer des choses écrites dessus, affirmant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Quand le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et de rire.
Il lit les lettres de tout le monde de la même manière et les encourage. Dans la scène suivante, nous voyons Katia et le commandant parler. Les deux semblent être attirés l'un par l'autre, mais ne savons pas leurs sentiments. Plus tard, Sergei dit au commandant qu'il occupe la position ordonnée dans le bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors l'un des postes des soldats détruits par l'attaque, et le commandant lui apprend à retirer son chapeau pour rendre hommage aux soldats morts. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui confie une mission et se voit confier la tâche de distribuer les lettres aux soldats. Il accomplit sa tâche efficacement et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergei s'éloigne un peu de la base avec Sylvain. Alors qu'il joue avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger de l'intérieur d'une botte de foin. Il se précipite vers le bataillon et informe les soldats de ses découvertes. Les soldats sont sceptiques, mais ils vont quand même avec le garçon. Lorsqu'ils arrivent près de la botte de foin, ils sont alertés de voir deux espions allemands se cacher en dessous. Les espions sont arrêtés et l'enfant est félicité pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergei les papiers légaux pour son adoption. Il est maintenant officiellement le père de l'enfant. Sergei connaît les sentiments du commandant pour Katia, alors pour lui rendre sa gentillesse, il l'emmène lui avouer. Mais les deux la voient parler à un autre homme et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est à nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois, Sergei aide les soldats de toutes ses forces, en fournissant des munitions aux soldats en première ligne, mais les soldats là-bas lui ordonnent de retourner en hangar car c'est trop dangereux à l'extérieur. Lorsqu'il arrive en hangar, il voit le commandant et d'autres paniquer parce que la connexion du téléphone avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les fils cassés. Sergei suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande à ce dernier mourant comment il peut réparer les fils, et le fait lui-même. La connexion revient et d'autres troupes sont appelées. L'enfant de 6 ans sauve la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia parler au bord de la rivière. Le commandant avoue enfin son amour pour elle et lui demande d'être la mère de Sergei. Katia est aux anges, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et donne une lettre au commandant disant qu'ils ont été envoyés de la base. Le lendemain, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergei. Cependant, sur le chemin, ils rencontrent un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé, tandis que l'infirmière du groupe dont Sergei était proche meurt dans l'explosion. Il pleure et embrasse le commandant. Ils transportent les blessés avec eux et continuent leur voyage vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils atteignent enfin notre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Lui aussi est impressionné par l'ambition de l'enfant et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le lendemain, leur division reçoit une bannière de garde, le garçon aussi. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui remet son lot. Une nuit, leur base est brutalement attaquée et le commandant est piégé sous les ruines. Sergei pleure pour son père et essaie de le sauver. Il appelle les autres soldats qui finissent par faire sortir le commandant. Le lendemain, le petit s'approche d'un commandant blessé. Ses mains ont été blessées lorsqu'il tentait de le sauver. Le gamin fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à côté d'eux et se déplace partout où ils vont pendant la guerre. Le film se termine alors que le régiment est vu se déplacer vers une autre base. On raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et qu'il a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde et l'histoire légendaire de sa bravoure est maintenant diffusée au monde entier. Je vous remercie de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, surtout activez les notifications et laissez un j'aime. Merci.